Je suis en ligne. On est Tu as dit tous qu'il en fallait ligne. faire un truc avant de commencer. Oui, il faut tous aller à Bonta, à l'atelier des sculpteurs. Pendant que tu y vas, je lance le stream à base de Il est Bonjour tout le monde! 14h. Pourquoi t'as parlé? Pardon, refais-le. Oui, Il est c'est pas grave. 14h02. 14h02. D'accord. Donc bonjour tout le monde, ici Vincent Studio pour la suite de Dofus. Toujours entouré des mêmes, hein, Jake, Loulou et Imagiro, bonjour. 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 Nous sommes des mèmes. Pourquoi on est des Quoi? mêmes? Parce que nous sommes entourés des mêmes. Ah. Donc aujourd'hui au programme, on va finir la première zone de Sarrage, donc la zone 80, et puis après on verra, tout simplement. Est-ce que vous Je avez des suis à questions, des l'intérieur de angoisses? l'atelier. D'accord. Question des angoisses. Sarrage, crème dessert après manger. Pourquoi? Non, relis. Crème désert, pardon, j'ai pas suivi. Voilà. Non, Bah mais oui, quand mais j'ai même. plus l'habitude de Mets lire des lunettes, dessert hein. que désert. Franchement, hein. Oh là là, hein. Ok. D'accord. J'ai mal. Qu'est-ce qu'il faut que je te donne comme ressource? Un os de mastodonte et 10 manganèses. Alors, voici ton os de mastodonte. Oh non, je crois que j'ai pas les 10 manganèses. T'es sérieux? Moi j'en Alors, ai je dans ma t'explique. banque. Voilà, c'est. Voilà. Parce que j'ai fait. Ah, j'ai fait virer les ressources déjà existantes. Je reviens. Ah, Et bon donc, ben. comme j'avais peut-être 2-3 manganèses, ben. Je Tu veux que reviens. je t'en passe ou pas? Mais non, j'y vais, j'y vais. Je vais voir si j'ai de l'argent et tout pour voir si j'ai remboursé mes actions. Pour faire quoi? Faut aller à l'atelier des sculpteurs. Mais j'y suis. Eh Tu ben, mets tu un os de rentres dans mastodonte l'atelier et 10 des manganèses. J'y suis. Vas-y, Louis. Tu mets un os de mastodonte que tu as normalement dans ton onglet ressources. Non. Quoi, non? Non. Quoi, non? Je l'ai pas. Oh Oh, ça putain, moi reprend maintenant. je pense que je l'ai viré aussi, hein. Oh là là! Bah dis donc, c'est mal. Eh ben, Ça vous allez commence à mal, hein. l'hôtel des ressources et vous achetez un os de mastodonte et 10 manganèses si vous les avez pas. Manganèse, je Pourquoi? les ai. Ah, très bien. Bon, mais il te faut un Oui, os de pourquoi t'as pas mastodonte. l'os? Mais il Juste a un dû les os de revendre. mastodonte, ok. C'est pas Tu l'as grave. revendu, Jake? Sûrement. Probablement par inadvertance, oui. Je regarde si j'ai de la Alors, On est entouré des meilleurs, appel de vente, Même. ressources. Qu'est-ce que tu fais, Eric? Mais rien pourquoi. Comme je te voyais. Ça coûte cher, un os de mastodonte. Non, c'est 43 43 canons. K minimum au prix moyen. J'ai une flûte, super. Oui. Flûte de mastodonte. C'est ça. Ouais, Mille c'est un bruit bizarre ta 1300. flûte. Hein. Non, achète l'os, pas la flûte. Ah, mais je sais. Un kama, lol. Bah voilà. De quoi, l'os? Ouais. Ah oui, quand... ben, t'as dû le vendre super cher, gars. Je pense que j'ai dû m'en débarrasser à l'épicerie. Ah, putain. Et 10 manganèses. Putain, ça c'est de la ressource, hein. Ah, le manganèse, c'est cher. Et j'ai encore le bug du chat où il me manque une ligne. Manganèse 683, j'en ai. Pourquoi tu veux me... Dès que j'arrive à l'atelier, tu me demandes ça parce que j'y suis en fait. Ben oui, je te vois, donc je te clique dessus. Parce que tu C'est peux pas moi le qui. crafter toi en fait, Guillaume. Il faut être niveau 80 et quelques pour le crafter. Ah d'accord, je comprends le ce qui est en train de se faire sous mes yeux. Ok. Donc en gros, je profite de tes métiers, c'est C'est ça. ça? Voilà, c'est ça. En Ok. gros, c'est lui l'artisan, mais c'est toi qui apportes les ressources. Et si tu regardes en haut de la map, tu as un livre qui te permet de consulter les artisans disponibles dans ce métier-là. Si par Ok. exemple t'as la flemme de monter tes niveaux d'artisan et que il y en a qui veulent faire des panneaux ou ben, par exemple des armes ou des objets, Voilà. ben, ils peuvent te demander des comment ça s'appelle des services en échange de quelques kamas ou gratuitement si ça les arrange aussi. Voilà.
Ok. Vive les Waouh. Wow. Mmh. Voilà, et du coup, comment t'as fait pour monter ça, ce métier-là? Ben, il a fait comme je t'ai dit, il a pris un site, et il a monté par niveau en fonction des ressources qu'il a achetées, il a tout démonté en ressources, il a revendu les ressources des runes, et puis ça lui a fait même gagner de l'argent. Voilà. Ah ouais? Ben, ouais. Et... Bon, on retourne sur Sarach. Alors, quand j'ai vendu mes 10 runes PO, crois-moi, je me suis fait du fric. Il fallait juste faire ce craft-là ici, c'est tout, pour rendre quoi que ce soit. On avait besoin d'une flûte pour flûter à Sarach. Alors, laissez-moi réactiver mes quêtes. Il nous en manque juste une qu'on n'a pas lancée. Et il faut aller en 15-64. À la Picantina. Oui. C'est parti. C'est dommage qu'il n'y ait pas la musique dedans. Voyager vers cette position. Exactement. MM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 
Voilà, on aurait pu en faire une et on la garde. Super. C'est pas vrai. Bon. Non, parce qu'après... On va au deuxième tas. Le tas, il est à droite. Il oui, mais moi, j'ai la quête de chance en chair et en os. Quoi, t'es en combat? Mais j'ai cliqué sur le tas d'os. Tu vas pas attendre? Je crois que juste cliquer sur le tas... En fait, c'est aléatoire, tu sais, c'est comme les ressources... Oui, oui. Non, c'est pas aléatoire, c'est continuel. Oui, pour moi, oui, mais... J'ai pas le son du jeu. Ça mettrait un peu plus d'ambiance. Non, c'est pas aléatoire, c'est les deux prochains tas d'os qu'on va cliquer, c'est... Il y aura... Ok. Et non, mais il va falloir tous cliquer... Voilà, qu'est-ce qu'il y a, Jake? Je me demandais s'il fallait le faire 4 fois. Mais je pense que oui. Oui, oui, putain. Ils ont combien de vie? 1002. Je le tente pas solo. On peut faire des groupes de 2, mais... Ça reste un peu long. J'ai réussi à mettre un thème sombre sur mon explorateur de fichiers Windows. Je suis content. Ah, ah t'as reçu la mise à jour? Non, ça ne fait pas partie de la mise à jour apparemment. Mmh. C'est vraiment particulier parce que c'est beaucoup trop sombre pour ce que c'est, mais c'est mal optimisé, on va dire. Merde, il avait combien de PM lui? 4. Il est là? Non. Tant pis. Merci, je vais pouvoir me balader. Me cogner dans des scorpions. Alors, est-ce qu'il est là? Oui. Il est en plein milieu du glyph et je peux plus me bouger. Désolé. C'est grave, moi je peux. Donc pour l'instant, il est là-bas. Et l'autre, ça fait quoi si on... en face du chaton. Ça fait quoi si on reste dans les glyphes, nous? Rien du tout. T'as un poison, je crois, non? Je crois pas. Ça les rend juste invisibles, ceux-là, je crois. C'est les premiers monstres. Hein. Bah, si tu restes dans les glyphes, tu peux te faire batiffer. Oh mon dieu. Je peux te faire. Oh putain! Elle était violente celle-là! Ouais, mais moi j'approuve! Ah non, elle est... j'ai pas dit qu'elle était nulle! Hein. Mais putain, je m'y attendais pas! C'est où le... celui que t'as tapé, le deuxième, Louis? Peut-être par là. Peut-être, okay. Par là. Mais j'ai tapé dans cette croix-là. Moi je pense qu'il est là. C'est pas ça que je voulais faire. Vous m'entendez bien parce que j'ai absolument pas mon retour en fait. Et pourtant, oui, on entend. Oui, ok. Alors je revois le rebranchement. J'aurais pas dû faire ça, mais alors pas du tout. Alors tu dis qu'il y en a un au devant milieu de là. Et... entre le tofu et Majiro. Ouais. Ah, ici le... Ouais, il y en a un là, ouais. Aïe. Le glyphe, ça retire la vitalité des PM. Ah, d'accord. Oh, attends, j'ai plus qu'un. 2, 3. Je me mets là. Bzit. Là, tu prends. Là, tu prends pas. Ah, oui, en effet, ça fait des dégâts. Ou alors, il est resté 4, quoi. C'est pas grave, regarde. Bon, donc ça a à la recherche du salopard perdu. On a dit là. On a peut-être dit là. Il a pas bougé? Ah, il est là. Je vais mettre mon tofu devant. Hein. Il est ici. Et je vous montre qu'à la case, il y en a un là. Ok. Je vais aller loin avec 2 PM moi. Ouais, tu pouvais faire une croix vu qu'il a pas bougé. Alors, il y en a. Je pense qu'il y en a, un là. Entre vous deux. Et un là. Hein. Moi, je pense qu'il est pas devant. Je pense qu'il est. Ouais. Il est juste à côté. Il est juste à côté. Ouais, ouais. C'est ça, retourne dans le glyph. Lui, ah mais j'ai pas plus de PM que ça. Donc tu dis que il y en a un à une case, deux cases de. Un là. Ouais. Et l'autre, ben maintenant tu le vois. Ah bon? Non.
Quoi, bon? Oui, mais si. T'as vu, je fais attention à toi, Imazuro. Ah, merci beaucoup. Est-ce que tu es généreux et attentionné? Oui. Il lui restait 12. Au revoir, Scorpion Bleu. On a gagné. Fais deux groupes de deux. Ouais, tu peux enlever ta limite d'XP aussi. Ah oui, c'est vrai. Merci. Ouais, on fait deux groupes de deux, donc Guillaume, il a déjà fait, il va le faire avec avec toi ou avec Thomas ou moi. Et puis, ben, voilà. Choisissez quel groupe vous voulez faire. Allez, Jake, viens avec moi. Bon, ben, Thomas, d'accord, j'arrive, chérie. Vas-y. Bah, c'est non, marié, hein. Kick-moi, s'il te plaît. J'ai pas rejoint mon groupe. Merci. Pardon, Thomas. Viens devant moi. Non ! Mais t'es con, quoi ? T'as bougé ! T'as bougé et j'ai voulu cliquer, ça a fait expulsé. Personne ne m'aime, je me fais cliquer de tous les groupes. Oh, elle est boulée, quoi. Attends, je me fuis. Vas-y, fuis. Ah, mais toi, tu le vois pas comme... comme tu as le... comme la dragonade et tout. Mais si, je te vois en U, mais... Oh. Ouais, mais tu me vois pas courir comme un dératé. Non, c'est vrai, je te vois pas courir comme un dératé. J'ai désactivé les dragonades, moi. Mais je pense que je vais le faire, parce que ça rendra le truc beaucoup plus léger. Ah, c'est plus léger et... c'est beaucoup plus beau parce que t'as toutes les animations des attaques. Ouais, c'est pour ça. Je pense que je vais le faire. Je vais braquer le mini-marché. Merde, je l'ai fait en 1. J'aime bien mettre la deuxième charge sur 2. Ah, il y en a un là. À droite? Ici, ouais. Putain, je me mets là, mais ouais, ouais, il est juste là. Je mets ma souris dessus. Bon ben, si tu veux faire une belle cabriole là, enfin, j'espère que tu vas pas bouger. S'il a voulu. Ah, on verra, hein. Au pire tu... Je tombe. Allez, si vous pouvez pas. Aïe. Ouais, non, il a pas bougé. Impact. Hey. Et comme ils sont invisibles, t'es pas taclé, tu vas pouvoir le refaire. Waouh. Incroyable. Comment on enlève les dragons? Alors... Combat, non. Interface... Non, pas interface. Bah, je pensais que c'était dans performance. Ah, ça marche, on verra après. Il a pas bougé, n'est-ce pas? Si. Putain, merde. Fonctionnalité, combat, et troisième case. Merci. Ouais, ça. Bon, j'ai pas trouvé l'autre. On va faire ça. C'est bizarre. Ah non, qu'est-ce qu'il y a? Plus autour. J'ai fait mon bzit deux fois exactement au même endroit. Première fois, j'ai fait des dégâts. Deuxième fois, j'ai fait zéro dégâts. Parce que la première fois, tu l'as tué. Donc, c'est normal. Merde. T'as une idée d'où ils sont? Bien joué. Non, regarde, je sais pas. Regarde, Jake, dans le chat, Jake lance griffe joueuse. Scorpion bleu, moins 225 PV. Entre parenthèses, il écrit mort. Dans l'onglet combat, dans ton chat, t'as l'étoile, t'as la petite épée. Étoile, petite épée, cœur et maison. En bleu, infini, ton retour. D'accord. En dessous, mort. Ah oui. Je savais pas qu'il était là. Eh, mais tofu. Comment on fait pour afficher les deux chats et le général et le combat en même temps? Mais tu, dans celui que tu veux, tu fais un, par exemple dans l'étoile, par exemple, tu fais un clic droit. Oui. Et tu peux cocher tous les chats que tu veux en fait. Ok, c'est bon. Ok, je te remercie. Alors ne mets pas commerce et recrutement, s'il te plaît. Non, non, non. C'est l'enfer. Oh non! Mais tofu! Parce que là tu vas te faire spammer pendant 20 ans et demi. Alors, où est-ce que je peux mettre un. C'est le dernier qui reste. Ah. Oui.
Non, ça sert à rien de faire un recoup ou... Ah, bien joué. Recoup, si tu peux les faire au début de combat, c'est mieux. Voilà. Just for you to know. The more you know. Voilà. Et puis maintenant, je dois... Viens, on monte. Et mais si peu le même. Non. Clique sur le squelette. Normalement, il bouge pas. Quoi hein. Ah si, peut-être. Bah, faut vérifier. Il a bougé. Ah, il a bougé. Il a manqué. Et toujours pas. Yes. On adore. Non, je trouve. Bah, où il est? Est-ce qu'il est là? Non. Est-ce qu'il est là? T'as la vision sur tous ou pas? Non. Non, mais c'est bon, on reste là, ça me dérange pas. Est-ce qu'il est là? Non. Bon, où est ce petit saligo? Ah, je peux pas avancer plus si. Est-ce que je peux voir là? Alors, je sais pas où il est, mais je pense qu'il est peut-être au-dessus de nous et pas en bas. Je devrais le jouer ouais. Plus souvent, ça. Quoi donc? Aïe, ouais, il était au-dessus de nous, putain. Ah, on a présumé qu'il était en dessous. Il me semblait qu'il y avait moins de PM que ça. Ah! Non. Je sais pas où il est. Ah! Ah! Ah, ok. Il est soit au-dessus, soit en dessous. Il est en dessous. Putain, il est en dessous! Il est dans quoi. Le glyph. Mais quel enfer! Il est là! Toutes les mauvaises décisions, ah il prend! Te faire mourir, salaud! Ouais, j'ai pris un niveau. Waouh! 96. Bravo à toi! Enfin, j'achète une panneau un jour. Bon, au niveau jour. 100. Niveau 100, moi? Oui. Eh, Louis, j'ai acheté ma panneau, Bork! 1,5 million! Voire 2 millions! Oh la vache! Bah, dis donc. Ouais, je vais peut-être arrêter de faire tailleur pendant un moment et je vais me concentrer sur acheter la panneau. Hein. Ah, mais hier soir, faut que je vous raconte. Hier soir, j'ai voulu farmer un petit peu le chanvre. Bon, c'est une catastrophe, hein, vu qu'il y a trop de monde. Ah ouais? Alors, il y a trop de monde. Et je me suis pris la tête avec un type espagnol qui m'engueulait parce que j'étais beaucoup plus rapide que lui pour prendre les ressources, parce que je cliquais plus vite, tout simplement. J'étais devant mon ordi, je faisais pas autre chose. Hein. Il pensait que t'étais un bot. Utilisais un logiciel. Non, il a juste dit, putain, t'es chiant, laisse-moi la partie haute de la map et puis toi, tu prends celle du bas. Comme ça, moi, j'ai des chances de dropper des trucs. Et au début, j'ai dit, mais enfin, c'est le but du jeu. Enfin, il faudrait que... je suis à peine niveau 142, je vais y passer 20 jours, en fait, ici. Ouais, mais c'est chiant, moi, je peux rien avoir. J'ai dit, allez, va. Et toi, un ordi à 1200 balles pour que ça actualise plus vite. Non, mais c'était... Il m'a pris la tête, je lui ai dit, allez, d'accord, si tu veux, garde la partie haute. Il avait 5 plans de chambre pour lui, j'en avais 12, quoi. J'ai dit, oui, allez, vas-y. Mais bon, c'est vrai que quand on était que deux, ça se passait bien. Il prenait ses petites ressources, moi les miennes, on était tous les deux contents. Mais alors quand il y en a deux autres qui sont arrivés, il les a insultés de tous les noms. Aïe, aïe, aïe. Les gens, ils en avaient rien à faire. Ils ont dit, mais il est fou, lui, ou... Oui, oui. Bon, ils sont... À côté de ton tofu, là, mais je sais pas s'il a bougé. Ah, il est là. Ok. Ouh. Trouver. Attends, déjà on va faire ça. Et pif. Et pipi pipi. Et pipi pipi. Et maintenant on va fouiller dans le. Non. Ah, il y en a un juste au-dessus de mon tofu noir. Je mets lui devant là. Paf. Voilà. Juste là. Mais il va bouger. T'as aussi acheté des trophées, Thomas? Ouh! Eh ben, dis donc. Ah, ben, il avait de l'argent avec sur une PM. C'est pour ça qu'on continue. Hein. Craft plein d'objets qui font des PM et puis t'en auras des runes PM et tu vas te faire un malt flouze. Moult flouze, pardon.
Ou alors tu fais du pain. Ou tu vends des mines. Oh putain, mais les deux sont à côté, quoi. Je peux pas faire cabriole. Vous êtes sur le troisième as ? Oui. Ok. Nous, on est encore sur le deuxième. Hein. On arrive. C'est le deuxième combat du troisième os. Ah oui, quand même, vous allez vachement vite. Bah oui. Bah on est fort, hein. J'ai envie de te gifler pour cette phrase. Non, Jake, ils sont à côté de moi. Par contre, il s'est téléporté, mais alors lequel c'était, je sais pas. Ouais, il est en haut. Oui, il est en haut, là, il est sur la droite du tofu. Je vais l'entourer de mes tofus. Genre, voilà, là. Toc. Il est cerné par mes oiseaux. C'est bon. Ah, bon ben. Au moins tu peux plus louper. Vas-y, mais il est nul ce masque. Il y a marqué partage des dommages, mais... Ah, c'est tout ? Ouais, allez, on monte. Garde. Oui, regarde, on monte. Allez, on prend le petit os, là. Je commence. Mm-hmm. Flip. Hé, c'est les mêmes monstres. Tu vas t'approcher, peut-être. Ah, change. D'accord, bah, moi je reste là. C'est quoi ? Aucun Canadien ne doit mourir. Ouais. On va gagner. Je crois qu'il y en a entre nous deux. Ouais. Non, entre même pas. Nous. Ils sont. Mais... C'est pas normal ça. À nous, parfois. Tout à l'heure, on en a cherché un pendant un moment. Mais il est où lui? Je connais aussi. Pas moi, Guy. Alors, est-ce qu'il a pas bougé? Est-ce qu'il est là? Yes. Paf, là. Bon, je sais pas où ils sont. N'oublie pas perception hein, quand ils sont pas loin. Ah oui, perception, Jake. Comme ça, ouais, tu peux les afficher. Ce qui est plutôt fort. Ouais. Bon, il est à côté de toi, l'autre. Hein. Il a pas bougé, je pense. Mais d'abord, essaye d'avancer. Hein. On sait jamais. Ah ouais, c'est ça. Enfin, je vais pas t'expliquer comment jouer, quoi. Surtout que t'es un grand joueur de Dofus et Wakfu. Ouais. On a fini. Ben, nous, on est sur le premier combat. On pourra faire le dernier ensemble si vous voulez pour aller plus vite. Chouette. Cachez votre jeu. Ouais. Il est là ou pas ? Merde, il a bougé. Il est où ? Je le trouve pas. Est-ce qu'il est là ? Ta petite rando. Oh, fais chier, je le trouve pas. Est-ce qu'il est là ? Je pense que par contre il a dû bouger. Mais je sais pas où. Ah, il est pas là, attention. Ah oh. J'ai eu les deux. Ici. Raté. Ah bah, je... Là, j'avais une chance sur deux de toucher un des scorpions. Merde. Aïe aïe aïe. Merde. Je suis sûr qu'il est même pas là en plus. C'est trop chiant. Bon, il est pas dans le coin. Dans oh, celui-là. Boule. Ah, j'en vois un. C'est déjà pas mal. Dans une poubelle, j'ai trouvé... Oh putain, encore. T'as trouvé des trucs. J'ai trouvé 10 Rabmarak là. Ah, c'est ah ouais ça. Du coup, je les ai remis à la poubelle parce que je sais pas quoi en faire. Ah, il est devant moi. À part les vendre 1000 gamma unités et me mettre en mode marchand, mais j'ai pas que ça à faire. Ouais, c'est vrai que si t'as fait la quête, ça sert plus à grand chose. Je crois que t'en drops même plus en fait. Non, t'en drops plus. Ah ouais ? Donc t'imagines oui. Les gars qui gardent la quête pour en dropper 20 millions ? C'est ça. Oh la vache. Pourquoi je fais si peu de dégâts, pourtant il a des faiblesses?
Peut-être qu'il est protégé dans son nuage de sable. Parce que le poison, il te retire de la puissance. Moins 100 en puissance, d'accord. Au-delà de ce que je... Au-delà de Carthage. J'aime bien Eric qui dit « Non, le poison, ça fait rien, ça les rend juste invisibles. » Non, les glyphes. Oui, les glyphes. Hein. Moi, ça les rend invisibles. Ouais, ça fait aussi plein d'autres choses. D'accord. À l'assaut. Ah. Et à ne pas confondre avec Hello, assaut. Allô ? Non, Hello. Mais où tu vas ? Il était pas si loin ! Tu crois ? Mais oui, regarde, cible-le, là, tu vois sur quelle case théorique il peut être. Théorique, évidemment. Ah, mais tu vois ? S'il faut, il est devant toi. C'est ça ? Oui. Je vais pas pouvoir les toucher, donc... Ouais. Ah. Il a pas tant bougé que ça. Théoriquement parlant. Oh putain, il est pas là. Il est pas là. Ah, il est là-bas. Bien joué. Il est toujours pas mort. Attends, il est où? Là? Oui. Oui. Eh ben... Allez Thomas, c'est ton tour. Ça va Jake avec ta larme? Bah oui, écoute. Tu donnes un nom en fait parce que... Je sais plus, peut-être, mais j'ai oublié, mais dans ce cas je la renommerai. Je me rappelle pas que tu aies donné un nom. Non, mais ce sera l'Arvounette et puis voilà. L'Arvounette. Oui. Bon par contre... T'as qu'à l'appeler la poire. La poire, pourquoi? La poire à larvement. Oh. Bon, écoutez, moi je vais arrêter là. C'est la fin du stream, on va couper, j'en peux plus de jouer. Non, vraiment... il était bien, arrête. Ah non. Si on reste dans la même thématique, tant qu'à faire, quelle est l'origine du mot toilette? Non, je veux pas savoir. Voilà. Toilette? Ah, mais c'est à moi. Mon dieu. L'origine du mot toilette est d'origine latrine. Ce n'est pas de moi, c'est des inconnus. Oh, je m'en souviens pas de ça, tu vois. Après, moi, j'avais une grosse préférence pour les nuls. Voilà, laisse-moi finir et puis... J'ai dit que j'avais une grosse préférence pour les nuls. J'aime bien les inconnus. Mais à choisir, je préfère les nuls. Je sais pas pourquoi. Pas du tout les inconnus. Ça dépend, il y a des trucs qui sont vraiment drôles, sans déconner. Il y en a qui l'étaient un peu moins, mais après, ça dépend des goûts et des couleurs, tout simplement. Est-ce qu'il est toujours là ? Yes. Oui. Bah, il va mourir. Hein. Voilà, il est plus maintenant. Bon, faut trouver l'autre. Il est où ? Bon, allez, moi, je dirais par là. Tu penses ? Ouais. Exactement, il y est. Et voilà. T'as vu ça un peu ? Ouais. Il est entre c'est moi le qui... c'est moi qui ai codé l'IA. Ah ben elle est sacrément conne, t'as pas fait du bon boulot. M'explique comment t'as fait ? De quoi ? M'explique comment t'as fait ? Pour savoir qu'il était là ? Non. Non, pour l'avoir coder l'IA. Ah. C'est quoi comme langage ? Donc, du HTML. Oh putain. Ça aurait pu être du code Lyako. Hein. Du code Lyako. Ouais. Je sais pas où il est, il a bougé, il est pas entre le tofu et toi. Fallait dire ça avant. Bah oui, enfin... Il est plus vers Eric et moi, attends. La pire personne... Le chaton va le trouver. Hein. Non. Mais... Il cherche aussi. Bon, il est pas sur cette ligne, déjà. Est-ce qu'il est par là ? Ben voilà. Essaye de le géolocaliser avec ta croix. De le géo quoi ? Géolocaliser. Ouais. Il est là, entre nous deux. Ok. C'est géo caché ? Lololol, soulève le caillou.
Oh, je vous raconte vite fait. Donc bon, vous savez que hier j'étais au boulot et donc pour pas donner de prénom ou quoi, mon patron qui fait beaucoup d'escape games est allé en faire un dans l'Aude là dernièrement parce qu'ils ont réouvert. Il y en a, putain, je l'ai même pas. Il y en a un qui est dans un château. Ouais. Dans des cryptes d'un château. Oh. Oui, enfin. Là, garde cette idée en tête. Cela faisait 3 mois que les cryptes n'avaient pas été bougées. Elles étaient comme ça, quoi. Sauf que, enfin, 3 mois, je pense qu'il était gentil. Il m'a dit que, donc, dans les cryptes, qu'ils avaient juste mis des objets par-ci par-là pour essayer d'avoir un aspect escape game. Et que, déjà, première chose, c'était une nana, apparemment, qui masterisait le jeu. Déjà, elle était avec eux. Dans la game? Ouais, elle était dans... je sais même pas si c'est une pièce, vu que c'était une crypte, je pense, qui était ouverte, quoi, avec de la hauteur sous plafond de dingue et tout ça. Et donc, déjà, la fille était avec eux. Moi, en tant que joueur, ça me plaît pas. Je le sais, je pense que je ne supporterai pas avoir le Game Master à côté de moi. Bon, mais ça, c'est évidemment que mon avis. Déjà, elle était avec eux. Et ensuite, apparemment, ils ont soulevé des pierres. Il y avait des vraies pierres tombales donc de l'époque et tout. Donc, ils n'osaient pas trop les toucher parce que s'ils les faisaient tomber, impossible de les ramasser. Hein, ce genre de truc, c'est assez lourd. C'est aussi lourd. Hein. Et ils ont ramassé, je pense, il m'a dit... J'ai pris une grosse pierre à un moment donné parce qu'il me semblait avoir vu quelque chose en dessous. Ouais, ouais. Il y avait une énorme limace. Donc en fait, t'avais toute la faune et la flore dans la crypte. Il m'a dit, on a ouvert un espèce de baril. Il était plein de blattes, de... Oh, ouais. Bon, en fait, c'était pas un escape, c'était Fort Boyard. Ouais, je pense, ouais. Et il m'a dit, faudra que tu demandes donc à sa copine, vu que je la vois demain, ce qu'elle en a pensé, et je pense qu'elle a dû détester s'il m'a dit ça. C'était où dans l'Aude, il te l'a dit? Non, il m'a pas dit, il m'a dit c'était dans l'Aude, et c'était un château. Château de Carcassonne? Non. Non, il y a l'escape de Carcassonne, c'est un mini truc tout pourri. Oui, apparemment c'est pas ouf. Hein. Ici on a autre chose à faire, non? Ouais, faut battre... Ah ben non, faut vaincre le Mantiscore et le Tardange. Donc on va faire les deux autres. Vous en êtes où dans la quête sans chair et en os? Il faut aller voir Maiko Zuzo, pour moi. Sans chair et en os. Et je sais où récupérer les prélèvements. Ah, faudrait que tu le récupères. Faut que t'ailles c'est juste à côté. Oui, est-ce qu'il y a des combats sur... Non, il n'y a pas de combat sur ça là. Récupérer des échantillons de VRT à bord des fonds et rotules osseuses. Eh ben allez-y, allez chercher les bouts d'os un peu partout et on vous attend à Maiko Zuzo. Bah ils me mettent que c'est tout sur la map où on est. Eh ben tu appuies. Est-ce que t'as déjà parlé à Maiko alors? C'est l'étape d'après. Ah bon? Ah peut-être qu'il a parlé à Maiko, oui, quand on est sorti de l'ombre blanche. Il y était lui, donc peut-être qu'il lui a déjà parlé là. Ouais, c'est ça, il demande de récupérer les vertèbres dans le donjon. Mm. Ok. On va le faire ce donjon ou plus oui, tard oui, on va le faire. On finit toutes les quêtes et il y a 3 quêtes qui nous demandent de faire le donjon. Un niveau? Oui. Oui, c'est un donjon niveau 80. Mmh. Et les Koalaks, c'est quel niveau? Les Koalaks? C'est le Koulos, tu veux dire, pas les Koalaks. Attends, il y a un donjon des Koalaks? Non. Oui, il y a le donjon du Koulos, c'est un donjon niveau 100. Oui, voilà, t'as Koulos et t'as Skunk, là-bas. Le Skunk, c'est 120. Oui, bah Skunk, on a le temps. Mais le Koulos... Le Koulos, c'est niveau 100, et puis, enfin, il est pas évident, le Koulos, hein, sans déconner. Les Koalaks, la zone est niveau 80, du coup. Oui, 80. La zone, oui, mais le donjon avec le Koulos, il est vraiment pénible. Le fait qu'il te transforme en bouffe-cool et tout ça, c'est pas ouf. Hein. Bref, c'est pas cool. Que faisons-nous? On fait le donjon. De suite, on fait pas Désert de Revanche et Faune Pimentée. Désert de Revanche. Ah, oula, oula. Faune Pimentée, il faut qu'on aille voir Charlot Darwin après avoir fait tous les combats de la dernière fois. Je sais pas ça. Ça veut dire que vous l'avez vaché. Oui, j'ai fini la Faune Pimentée. Ouais. Bon, bah j'y vais. Je l'ai pas.
Ouais, bon, et des aires de revanche. Des aires de revanche, il me manque la plantation de cactus. Ouais, oui, pareil. Oui, mais elle demande pas de faire le donjon, donc on la fera plus tard. Ah, vous voulez pas qu'on finisse avec le donjon? Comme vous voulez, hein, dites-moi. Hein. Non, non, on fait pas les steaks, frère. Bon, bon, ouais, j'ai que 3 quêtes. Là, par contre, il y a un problème si t'as que 3 quêtes. Tu dois en avoir 4. Hein. Sans chair et un os, désert de revanche, le roi scorpion et retrouver un fémur. C'est quoi, désert de revanche? C'est inspecter la plantation de cactus. Ah, mais t'as dit que tu l'avais déjà fait, le combat, je crois, non? Ah oui, non. Parce qu'il se fait seul. Ah non. Oui, là, t'as dû la finir, alors. Eh bien, il y en a qui avancent sans les autres, bravo. Ça arrache. Non, ça c'est Taz. Désert de revanche, ouais, je l'ai fini. Bon, ben, on part sur donjon, téléportez-moi s'il vous plaît. J'ai pas envie de marcher. Hop, téléportez. Traîne-moi. Allez, on parle à Carlos. Carlos. Bisous. Le truffaut. Bisous, ouais. Bisous. Alors, ne lancez pas le combat. Il faut cliquer. Ici. Ah, mais ça, je viens de capter pourquoi j'ai ce bruit de notification dans les oreilles. Oh là. C'est pas moi, hein. Non, non, j'ai installé l'application WhatsApp sur le PC. Je comprends d'où vient le son maintenant. C'est pour ça, ça vient de WhatsApp. Donc, il va falloir que je dégage ce son insupportable. C'est fait tudut. Clique sur le squelette. Il est où? Mais juste à côté de toi. Juste à côté de toi, t'as un squelette. Ah, il est dans l'ombre. Merde. Bah, attends, sinon, il va pas prendre des. J'aime beaucoup le crâne loup fennec là. C'est un fennec, je pense, hein, vu qu'il y a plein de. Vu les oreilles. Oui. Ouais. C'est un vulpérien. Mais même dans le donjon, il y a Droopix, quoi. Oui. C'est parti. Je t'ai dit, il était sur toutes les maps du. Du jeu, sauf une. De sa arrache. De sa arrache, mais pas du jeu. Jake, tu viens? Où ça? Les alors, challenges, on a pas grand chose à faire, hein, je crois. Ici, je crois pas. Attends, je regarde. Je sais pas s'il y a un monstre spécial dans. Oui, il y en a un. Ok. Non, mais pas sur cette map alors, déjà. Bon, on verra ce que ça donne. Les challenges, voilà. Ah, on a fait aucun challenge, hein, à part sur le score du Midian bleu. Ah, bon, on va les faire. It's Krieg. Excusez-moi. Rapproche-toi. Pas de soucis. Oui. Non, mais il était en train d'enlever son WhatsApp. Non, je répondais. Ah, bon, bah c'est pire. Bon, bah il écoutait. Et... quand j'avais dit il y a quelques mois, j'avais besoin d'une nouvelle, une nouvelle ligne téléphonique, au final, j'avais pas envie d'acheter un nouveau téléphone, du coup, j'ai trouvé la solution, WhatsApp. C'est pas mal, WhatsApp, en vrai. Je suis pas fan, hein, parce que niveau confidentialité, il y a encore quelques soucis que j'aime pas. Même si c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est vrai. Mais ça me permet ouais, de ne pas racheter un nouveau téléphone pro et de ne pas avoir la ligne. Voilà, je sais pas vraiment. Ouais. Tout le monde, côté grainerie et compagnie, avec un S du coup, était sur ça et que c'est beaucoup plus simple pour travailler. Grainerie. attends, je lis. Que c'est ça? Au bolos. Il est où? Ah, la boule. J'aime bien ce petit monstre. Il se déplace, il est trop mignon. Le robot, oui. Regardez-le, il est taclé. Et normalement, t'as gagné des points de bouclier, c'est ça? Non, si, il se détacle. Non. Ah. Oh, I-O-U, Y. Oh. Je vais pas gêner, là. Je suis con, pourquoi je l'ai invoqué, là? Je vais perdre 2 PM. T'as fait échouer le challenge. Bah oui, mais on fait mystique, j'ai dit. D'accord. Son... non, en vrai, je voulais pas faire l'autre. C'est... Okay, son pire ennemi, de toute façon, ça, c'est de la faute de Louis. Il avait qu'à pas faire un perso féminin, on n'aurait jamais eu ce genre de châle. Si on avait 4 bonhommes, on n'aurait jamais eu ça. C'est vrai? Oui. C'est en fonction du groupe, ils s'adaptent. Ah. Ils vont pas te proposer un châle impossible, en fait. D'accord, ok. Genre, ils vont pas... Là, ils nous proposent pas... arachnophile tant qu'on n'a pas tous le sort araignée, c'est pour ça que je l'ai pas pris d'ailleurs. D'accord. Vu que toi, c'est je crois que t'es le seul à l'avoir, ou peut-être Louis là aussi. Oui, je Vous croyez qu'il y a le challenge Flamish? Vous êtes obligé d'attaquer avec Flamish. Non, et heureusement.
Ça serait vraiment une idée de chat là, là con. N'utilisez que Flamiche. Plus 5000%. Ah putain. Je vais vous raconter ma vie un peu. Ce matin, je suis allé chez le coiffeur. Waouh, il joue quand même un peu. Oui, non mais t'inquiète, c'est bon, moi, les tours, ils sont très vite, regarde. Pif, paf, pouf. Et alors, t'as dû porter un masque ? Alors, oui, il m'a demandé de porter le masque pour me faire les cheveux. Et quand on est passé à la barbe, il me l'a désinfecté avant de travailler. Oui. Ah ouais. Ça fait vraiment bizarre de se faire désinfecter la barbe. Après, je comprends, hein, c'est normal, mais ça m'a fait bizarre. Je me souviens encore de ta tête quand t'avais les cheveux courts et. Ouais, bah j'étais pas très beau. Bon, c'est pas mieux maintenant, j'essaie de cacher la misère avec les cheveux et les poils, mais. Eh, j'ai pris un niveau. Pas moi. Alors, est-ce qu'il faut cliquer sur un os ici ? Non. En effet. Ah oui, c'est le boulet pic. Oui. Il est rigolo. Ah, mais les boulets, là, ils valent 46 kamas. Ouais. J'ai dégoûté. J'ai 35. Je suis loin. Rapprochez-vous. D'accord. Comme ça, je vous donne des PM. Du bouclier, d'accord. Vut. Pas moi. Ce n'est pas de mon côté. C'est son réveil. Non. Ça doit être le boulot. 0667. Le boulot ? Mais ils t'ont pas viré ? Si. Et tu réponds pas ? Bah non, je suis en stream. Ah bon, d'accord. J'ai le droit de rien foutre quand je suis au chômage, bordel. Il laissera un message. Non, c'est peut-être Claudine. Oh, Claudine. Attends. Sacré Claudine. 74, 78, 78, 78. Donc, oh, mais il est trop loin. Tiens, attends. Pour l'instant, tu peux juste les affaiblir. Ils sont fous. Après, là, pour l'instant, on peut même faire focus pour l'instant, si vous voulez. Thomas, va dans ta tête le numéro de téléphone, par contre. Ouais. Ça reste confidentiel. Les seuls numéros de téléphone que tu peux donner, c'est des numéros utiles, service, le numéro du Père Noël ou le numéro de Megavision et Jean Mineur. Celui du Père Noël, on l'a déjà donné. Oui, je t'ai. Mais il y en a plusieurs du Père Noël. Non, il y en a qu'un, on l'a déjà donné, c'était celui de Satan. Point. C'est pas lui qu'il faut tuer en premier. Mais. Je faisais focus. Non, c'est pas. Ah! Bah je l'ai juste affaibli, on fait le premier si vous voulez. Attends, lequel rapporte le plus XP ? Eh ben on fait focus, voilà. Non. Bon, on fait focus. Vous avez déjà ça tombe bien, il s'est rendu invisible. Est-ce qu'il est toujours là ? Oui. Donc tu es là en premier. Non. Flamiche. Bah non. Thomas, t'as vu où il était ? Au milieu ? Au milieu, à côté de ton masque, ouais. Au milieu du glyphe. C'est bon. On se fait en bas pincé. J'ai bien aimé, moi. Elle m'a plu, celle-là. Mais voilà, les meilleures blagues, c'est celles qui sont pas préparées. Hein. 14. On peut pas dire la même chose. Mais il est mort. Donc dis-moi lequel tu tapes. Bah on fait focus. Fais focus. Voilà, on tape le boulet pic. C'est parti. On tape le boulet pic. Oh, tout ce bouclier. Mais non. Au contraire, il te l'enlève. Ah, bon, ben, pas mais non, le Jake, on fait pas le... Chal. Je l'avais mal lu. Je viens de le relire. C'est pas grave. Il y en aura d'autres, des boulets pics.
J'espère. S'il y en a que sur cette map, c'est dommage. On refera le donjon un jour. Un jour, ouais. À propos de donjon et de succès, genre, il y en a plein qu'on n'a pas fait sur le tournesol affamé. C'est normal. Quoi, c'est normal? On s'en fout un peu. Ah. Non, mais on les refera un jour, je pense, hein, ces trucs, mais pas là dans l'immédiat. Je pense que s'il nous manque à un moment donné de l'XP et que on doit aller farmer un truc, je pense que le mieux sera de faire un donjon dans lequel il nous manquera des succès pour gagner un peu plus d'XP. S'il y a beaucoup de donjons bas niveau qu'on. Oui, en fait. Ouais, mais déjà, il faudrait qu'on ait les idoles. Alors, les idoles. Faudrait qu'on ait les idoles des jeunes. D'accord. Moi j'ai la ref, ça me va. Mais ouais, je pense que ouais, les succès qu'on n'a pas fait sur les donjons, on les garde de côté pour le jour où on devra XP comme des idiots. Genre au niveau 199. Exactement. Ouais, parce que là, dès qu'on va atteindre le niveau. Putain, j'arrive plus à parler. Déjà, quand on va atteindre le niveau 100, on va pouvoir déjà faire les 3 dimensions, rien que ça. Et puis tout le reste, hein, parce que je pense que c'est pas le seul contenu niveau 100. Donc j'imagine même pas tout le contenu qu'on va avoir. Et petit à petit, on va dire, ouais, mais ça c'est plus haut niveau, donc on le fait, et puis ça, et puis ci, et puis ça. Aïe, aïe, aïe. Mais franchement, la dimension qui me tarde qu'on fasse ensemble, c'est le Xelorium. Ouais. Bon, faut cliquer sur une vertèbre là-bas. C'est la vertèbre de Guillaume qui s'est cassée. Elle est là. Tout le monde a cliqué sur l'os. D'abord, c'est pas les vertèbres où je suis touché, c'est au lombaire. C'est vrai, pardon. Excusez-moi. Excusez. Ah, on est obligé de faire un châle, s'il vous plaît. Oui. J'ai essayé d'y penser. Ah là, c'est, on te donne pas trop le choix, il faut le faire. D'accord. Ah bah, t'es nul, c'est chiant, on va faire le deuxième. Ouais. Ah ouais, c'est un peu relou, pétulant. Enfin, moi j'arrive à le faire. On fait pas pétulant ? Non, on fait pétulant. On fait le premier. Oh là là, mais vous. Ah, y'a pas que moi qui ne sait plus parler, apparemment. C'est contagieux. AVC. Ouais, c'est ça. Elle était pas mal leur dernière bad news, j'ai bien aimé. Un peu trop de montage de vie, mais. Voilà. J'avais une bad news, ça a duré 3 minutes et t'as 26 minutes de racontage de vie. Ouais, mais c'était pas mal. Pour c'était drôle, c'était drôle. Vie, voilà, j'ai bien aimé. C'était pas mal. Ne serait-ce que son anecdote sur le service militaire, elle est merveilleilleuse, quoi. Ouais. Et elle est merveilleuse. Le pire, c'est que ça ne me surprend pas. Non, moi non plus, ça me surprend pas. On parle de David Mourier Bad News, hein, pour ceux qui savaient pas. Mais elle est géniale, c'est trop bien. Et ce qui me fait beaucoup. Oui. Non, rien. Allô ? C'est tué en premier. Oui, je sais. Oui, j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai fait merde. Et j'avais oublié que c'était tué en premier. Et donc, oui, j'avais oublié que. Ce qui m'a fait rire, c'est Thomas qui. Qui dit. Non mais déjà, de toute façon, il attire toujours la merde du monde. Et c'est vrai que ce type, à la base, n'a pas beaucoup de chance, faut se le dire. Mais bon, c'est drôle. Mais tiens, il nous facilite la vie. Ouais, il se rapproche, il est sympa. Il y a une jolie croix, là. Il a des boucliers, t'as le droit. S'il a c'est des vrai. Boucliers, t'as le droit, il l'a dit. Allez, hop. Alors, ça nous permet d'avancer plus vite, et puis il a encore des boucliers, donc jusque-là ça va. Oh! Regarde, c'est le monstre, il s'est fait tacler, Jake. Tu l'as bien taclé, tu lui as enlevé 5 PA et 2 PM. Enfoiré. Trop fort. Oh non! Eh, hey, je suis à. Mais non! Mais le bloque pas! Ah, oh, c'est bon.
Oui, mais va, oui, enfin, il va juste se mettre devant toi, voilà. Putain. Allez, on va pourquoi le chercher. Il se met devant moi. Bah, parce que c'est une IA fuyarde, le gros boulos. C'est pas grave. Bon, apparemment, ça fait rire, quoi. Hein. Non, mais là... Comment on va le chercher, maintenant? J'ai du cul d'avoir du placement, moi. J'en biffe. Je pose. Alors, attends. Faites attention, n'est plus qu'un challenge. Oui, on sait. Oui, oui. C'est pas ma faute. Tiens, prends un PM, juste toi. Et vole! Vole jusqu'au bout! Et je recule. Bon, et lui, par contre, je vais taper le l'éolienne parce que j'ai peur qu'on fracasse trop le boulet pique. Voilà. Et tu peux te TP sur un de mes tofus, tu veux. Si ça t'arrange. De toute façon, moi, je peux les replacer près de moi s'il y a un souci. Donc. C'est pour ça que j'aime bien l'Ossa, hein, sans déconner. Enfin, l'Ossa, du moins, R. Parce que tu peux aller chercher les autres bien loin. Après, l'Ossa Terre, ça avait l'air vraiment bien. Hein, de pouvoir tacler tout le monde et pouvoir contrôler tranquillement. Genre t'enlèves des PA, tu rajoutes des boucliers, c'est pas mal. Hein. L'os à feu, je sais pas si le heal c'est vraiment fort, mais... Pourquoi pas. Oh, hop. Et l'os à eau, je sais pas ce que ça donne en vrai. Si tu gagnes plein de puissance, ça c'est vrai, mais je sais pas si à long terme tu fais des énormes dégâts ou pas du tout. Ça aurait pu m'intéresser l'os à eau, c'est vrai. Putain, mais je pouvais même pas faire fougue sur Jake. Ouais. Non. Jake, t'as perdu 5 PA. Alors que moi, regarde, easy le tacle. L'esquive, tu veux dire. Oui, pardon. C'est vrai que moi, c'est l'esquive. Allez, tue-le, s'il te plaît. Dans la fuite, l'esquive c'est autre chose. Oh, oui, merde. Et c'est comme ça, on va tous se téléporter. je vais le mettre là pour pas trop gêner. Et c'est lui qu'il faut d'abord tuer. Voilà. Au moins ça c'est fait. C'est lequel le suivant, j'ai pas vu. L'éolienne. L'éolienne. Igol. Bon, je vais faire ça d'abord. Et ça. Ok. Tu l'es. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Le l'éolienne, hein. Oui, oui. Bien joué, ça. Bah. Quand il meurt. Oui, oui, oui. Oh, quel dommage. On a gagné. Alors, et on a réussi un challenge. Il faut cliquer sur la grosse défense. Tout le monde a eu la défense. Oui. Ouais. C'est parti. Il me reste un échantillon à récupérer. Il est sur la dernière map, je crois qu'il est après le boss. Non. Il est avant ? Sur la map du boss. Oui, mais je crois qu'elle se débloque après la map, après avoir fait le boss, non ? Ou c'est une autre quête ? Non, non, non. On verra. Mais écoutez plus, hein, on ira plus vite. Et challenge ? Non, on n'est pas obligé de faire un challenge. Bah, on va faire contamination, je pense. Sans le vouloir, on va le faire. En plus, il rapporte pas mal contamination. Putain, mais ils sont tous des résistances feu, c'est chiant. Oh, en même temps, dans le désert, oui. moi, tu sais, j'avais la portée, c'est gentil, hein, mais. Genre, sans déconner, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de portée.
Bah ouais, mais comme ça t'auras encore... Tu pourras toucher le Eagle là-bas. Le Léolien ? Jake. Ouais. Non, ouais, vrai, juste à me rapprocher de d'autres cases, mais ouais, je peux. Oh, une belle ligne, ouais, en effet. Oh, mais le Roboulos, il a des faiblesses air. Je vais peut-être pas taper le Léolien, hein. Genre pif. 40%. Pif. Et on invoque Jean-Wilfried. Et on fait ça. Jean-Wilfried ? Oui. Jean-Wilfried Tsonga ? Ça fait et une moi heure aussi je joue au foot. Il y en a attends, qui veulent c'est tiré, c'est vrai. Mais Tsonga c'est pas un footballeur. Mais non, c'est... j'ai confondu avec un tennisman. Ouais ouais, j'ai confondu, pardon. Est-ce qu'il y en a qui veulent se tirer aussi? Après je crois qu'il en a fait une pub Kinder Bueno Tsonga. Non, probablement, ils en ont tous fait de toute façon. Il proposait une part de gâteau je crois. Un gâteau, il est délicieux. C'est une pub qui date de l'ancien temps. Mais non, c'est pas de l'ancien temps, ça. Petit vieux, tu me parles d'une pub de l'ancien temps, je te parle de la pub Esso avec les animaux qui font Esso. Ça oui, ça c'est une pub de l'ancien temps. Genre, préparation H, c'est une pub de l'ancien temps. Quand même, ouais. Les mecs se sont dit, bon, on va prendre un tabouret. Ouais, je vois rien. On va mettre une grosse corde dessus. Et on va le tirer vers nous pendant qu'il y a un gars qui chante aïe 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 aïe. Tout ça pour des hémorroïdes quoi. Okay. C'est merveilleux. Ah putain. Mais... Et mon touffu. Scorpion. Oh, j'ai oublié de faire mon tofu. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Oh non. 3 quoi. Petit salopard. Ils sont vraiment trop mignons. Dans le design ? Ouais. C'est vrai, j'aime bien. Comme Eagle. Oh. 152 ? Un PA utilisé fait perdre 6 PV. Clairement, les poisons ils font vraiment mal. Je sais pas comment c'est codé ça, mais ils te disent ouais, un peu utilisé fait perdre 6 PV. Non. Si dommage. Après, c'est influencé par leurs caractéristiques. Oui, oui, mais bon. Mais est-ce que tu vas mourir, s'il te plaît ? Mais tes souhaits ? Non, il a rigolé, je crois. C'est lui. D'accord. On a... C'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il avait éternué. Oh, bon, on est au boss. C'est le Mantiscore. Il faut cliquer sur le Lost qui est ici. Retournez voir Maiko Zouzou. Alors, ne lancez pas le combat. Trop tard. Allez dans votre inventaire. Ah putain, c'est vrai, faut prendre les gants. J'ai failli oublier. Non, vous avez des gangrènes. Oui. Il faut les équiper. Putain. Ouais. À la place de l'arme. Ouais. Et à la place de l'arme. Parce que sinon, on pourra pas ramener. Les échantillons. Un échantillon. Donc, ouais, faut faire le boss avec ça. Courage. Bon, ça okay. Va, on n'utilise quasiment jamais nos. Excuse-moi, tu te calmes. Est-ce que tout le monde a équipé les gants? Ouais, téléphone. Ouais, téléphone. Oui, c'est chez moi. C'est bizarre. Quoi ? Ça sonne chez toi ? J'ai donné mon numéro à personne. Même moi, je le connais pas. Et il y a des gens qui m'appellent. Bah, ça doit être des démarcheurs téléphoniques. Oui, ça doit être ça. Bah, au pire, tu sais ce que tu fais ? Tu décroches, tu prends un couvercle ou une casserole, tu le mets sur le téléphone et tu tapes dessus avec une cuillère en bois.
Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai parce qu'ils ne peuvent pas raccrocher dans leur politique. Ils ne doivent pas raccrocher tant ça que tu leur as pas dit bonjour démarcheurs. Ou au revoir, je crois. Ça dépend de certains démarcheurs. Ouais. Donc si tu as envie de les embêter parce qu'ils t'embêtent, bah tu fais ça. Pourquoi ou alors tu leur chantes et là tu connais Mara en boucle. Ouais, tu peux faire ça aussi. Pourquoi tu débranches pas ton téléphone en fait si t'as parce que si c'est Boris. Ça fait deux fois qu'on est connecté sur une blague Boris en plein dessus quand même. En même temps, c'est Boris. Ouais. Alors au même moment quoi. Boris. Bon allez, on est parti sur le bon Discord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, faut faire même propre. Encore des gants, ah, ça devrait aller. Chier même propre. Ah, il faut me le rappeler si vous voulez qu'on le fasse, c'est promis. Mais on a des gants, ça ira. Oui, c'est vrai, on a des gants, donc on est obligé de faire même propre. Il y a un PM. Oh. Un PM. Bah, un PM, ça va pas être possible pour Jake, par exemple. Sauf si je mets fougue au bon moment. Ouais, mais ça va durer un tour. Ouais. Donc, malheureusement, zombie, on va pas pouvoir le faire. Alors, lançons et dites-moi au fur et à mesure. Bah, il va falloir faire main propre, donc tu vas pouvoir faire le chaton et ton araignée. Tu ne fais pas le chat frère. Okay. Il va falloir tuer avec une invocation. Petite particularité, quand vous attaquez le boss, il recule d'une case. Oui. Bon, on l'entoure quoi. Bah, c'est bien pas ça forcément. Pour un PM, non? Ouais, mais si c'est pas le Mantiscore qui prend Jake en chasse, on est un peu dans l'os quoi. Enfin, nous ça va, nous trois. Mais si par exemple le Léolienne s'attaque à Jake, on est un peu dans l'os. Parce qu'il y en a partout des os, vous voyez. Et... Mm-hmm. Bon, on peut le tenter, mais. Bon, on va tenter Jake d'utiliser un seul PM par tour. Après, on peut se mettre à distance, hein. Ouais, oui, il peut. Bah, il faut... Oui. Oui. Ah oui, je me cache un peu trop à distance là. Ouais, peut-être un peu trop. Tiens. Ouais. Oui, tu peux te mettre par là. C'est bien. On fait ça et même propre. Donc on peut les affaiblir, mais il faudra les tuer avec des invocations. Le Mantiscore à tuer avec une invoque, c'est pas facile. Donc. Parce qu'il regagne de la vie. PM. Point de... Ouais, un PM. Essaye de reculer au pire, non, non. Ouais. Un chat. Oui, si tu veux, tu peux mettre le chat de suite. Il est où, Yakipon? Et fais une fellation au pire sur un des monstres. C'est où ça? Fellation, c'est un sort bleu avec du rouge. J'ai plus le design complet, je sais plus si c'est une patte de chat au milieu ou. Et vite. C'est bon. Voilà. Mais non! Je le challenge. Ouais. Si tu fais ça, fais-le sur un allié. J'ai paniqué, il restait même pas une seconde. Aïe aïe aïe, bon, c'est pas grave. Vous voulez vraiment qu'on fasse pétulant? Non. D'accord, c'est non. Pas de challenge? Ben, ça va être on compliqué. Déjà que zombie et même propre, ça va être très contraignant. Si on se bat. Des affaires pétulant. On se bat, tout ça, armure, carotte. Moi je peux le faire, mais je crois que Thomas il peut pas le faire tout le temps en fait. Pétulant, si. Ah, ben c'est Louis alors qu'il peut pas le faire. C'était lui. Il s'est éteint, il est allé répondre au téléphone, il a pris la casserole. Bam. C'est drôle. Ah oui, d'accord. Oh, bon, c'est bien le fruit. Madame Zouzoua. C'est pour gagner encore plus de boucliers. Plein de sang. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre, il en a plein le dos, le truc. Le mec s'est barré, quoi. Mais putain, mais c'est lui qui partage les dégâts, c'est pas ça. Ah là là, il a tout compris. Aïe aïe aïe.
plus de PA. Ah, pour lui, merde. Ah. Oui, pas pour moi. Ah non, il nous a tous rapprochés. Ah, je comprends pourquoi un PM, ça devient chaud. Fais l'IP, Jake. L'IP, ouais. Les vagues Wi-Fi. Merci. Et tu pars, merci. Les vagues Wi-Fi. Mais que d'un seul PM. Ouais, l'arachno majeure, elle est trop forte. En plus, t'as encore eu du bol, t'as réussi à invoquer l'arachne majeure et pas l'arachne. D'accord. Bah, il devait jouer au chafer crit. Ouais, grave. Ah, j'en ai vu à la montagne du Kolak. Des chafer crit ? Ouais. C'est trop cool. 200 000 kama, c'était le pari. Eh putain. Pourquoi t'étais taclé ? Va falloir tuer l'éolienne très vite en fait. Je pense que c'est le seul qui puisse vraiment tacler Jake. Ah bah t'as le boss aussi, mais le boss apparemment il tape et il recule, donc on s'en fout un peu. Le Fennec, il peut se balader partout. Le Roboulos pareil, il est fuyard, donc ouais, je pense qu'il faut se concentrer sur l'éolienne. Pourquoi il grince quand il avance? C'est une putain de chaise, quoi. Hop. Allez, j'ai bien fait attention. On fait main propre. Hein. Putain, je vais pas réussir à le tuer. Bah, 42% de résistance R. Ouais, il est pénible. T'as, toi, recule, voilà, casse-toi. Oh, 75. T'as une épée, un truc pour le... Ah non, c'est Jake qui joue avant. Oh non! Recule, machin, recule. Ouais, il est taclé. Non, il peut pas, il est taclé. Oh, punaise. Bon, bah... Alors. Zombie, c'est mort. Non, mais il peut bouger d'un PM, mais il va perdre tous ses PA. T'es sûr? Ouais, c'est ça. T'es sûr? Moi, je crois que ça fonctionne pas, ça. Hein. Si, c'est utiliser tous ses PM qui fait chouer quand on est taclé. Ah, d'accord. Ouais! Bien joué, l'araignée! Elle est trop forte. Je l'aime trop. C'est ma nouvelle amie. J'ai menti. Genre là, si tu peux le faire reculer, ouais, c'est cool. Bien joué. Ouh! Va des rétros ou Mantiscore? Regarde dans le rétro, Mantiscore? Putain. Bon, je crois que mon tofu blanc va servir à pas grand chose. Ouais. Ah si, il va pouvoir taper. Ok, impec. Je vais taper sur ça. Je fais ça. J'ai pas bougé, hein. On est d'accord? Non, pas bougé. Bon. Ben, je vais bouger. Attends, d'abord je vais invoquer, après je bouge. Hop. Alors, déjà, le jaune. Merde, je peux pas le refaire une deuxième fois. Tant pis. Au revoir. Si je le faisais une deuxième fois, je bloquais Jay. Donc... C'est peut-être pas le but. Faire sur le Mantiscore. Hein? Il aurait fallu le faire sur le Mantiscore, non? Ouais, mais j'avais pas assez de PM avec mon... Ouais, le tofu doré, il a pas beaucoup de PM. Hop, je vais ranger mes tofus là-bas. Oh, punaise, il est pénible. Avant... de bouger, tape le... Il peut refaire l'IB, là, c'est bon. Ah, bon, mais... Oui, mais ouais, mais ça va faire... Je sais pas. S'il tape, il recule. Ouais. S'il tape, le Mantiscore, il recule. Oui, oui, oui. Et puis là, par contre, ben, bah, Imagiro, il tire un peu la gueule, quoi. Ah, mais non, au moins qu'il est rush. Ou bullish. Jake, bouge un PM. Voilà.
Maintenant, tu peux attaquer qui tu veux. Tu peux taper. Tu tues pas. Non. Tu peux faire ça aussi pour si t'avais peur de les tuer. Allez, pourquoi mon truc est bloqué? Merci. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous entendez ces espèces de bling bling là chez moi? Oui. Non. D'accord. Ben c'est mon portail en bas. Je sais pas ce que les gens font. Il n'a pas bougé depuis 3 mois le portail. Vu qu'il est pété. Ah. Donc soit ils sont en train de le réparer. J'ai envie de dire alléluia. Soit ben. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Je bouge d'un PM. Ah merde, je vais peut-être le tuer. Donc ça c'est mort. Bon, mais je tape pas avec mon perso. Toi. Et toi là. Ok, ça c'est fait. Suivant. Ok, ça c'est fait. On va le mettre là. Et on met ça là-bas. Voilà. C'est un guet-apens, ils attendent derrière le caillou. Oh la vache! Tape-le, fais un bluff dessus. Ou une griffe, ou ce que tu veux. Il a pas reculé. Non, parce qu'il est au cac, je pense. Ah! Bon, si tu pouvais faire ça, tant mieux. Et pour l'instant, on est pas mal, hein. Putain. Ah, il se met loin, hein. On a pas trop le choix, hein. Nyaha. L'empêcher de venir sur Jake. C'est de PM. Moi j'ai bougé. Quand tu vas taper la raque, non, je pense. Bouge toi. Je peux pas bouger. Le mec te tape en diagonale et il va vers toi. Oui, il s'éloigne de nous en fait. Il s'éloigne du lanceur en fait, je pense pas de. Ah! Donc ouais, je le garde là-bas pendant un moment. Eh, hey, mon torfu! PM. Juste un PM et tu peux invoquer un chaton si tu veux. Il est parti loin. Impec. Au moins on est tranquille là pendant un bon moment. Tu peux pas invoquer l'épée, toi? Bon, je pense qu'il y a déjà assez d'invoques, non? Ouais, mais malheureusement, il a beaucoup de points de vie encore. Hein. Je peux pas lui enlever 1100 en deux tours, moi. Je pense que mes tofus vont crever dessus. Malheureusement. N'inquiétez pas, moi j'ai mon masque. Ah ouais, il est vraiment fort, hein. C'est indéniable, c'est le plus fort. Le masque grimaçant, c'est le plus fort. Ouais, aïe aïe aïe. Bon alors, toi. Est-ce que tu peux. Est-ce que... Ah, flûte, t'aurais dû. Eh non, je peux pas. Non, mais t'aurais dû me taper avec ton ça. Ah bon. Ça, je peux pas. Bon, attends, pour éviter qu'il aille trop loin. Hop. Non! Il reprend de la vie quand il tue ce salaud! Oh la vache! Oh bah au moins il est plus proche de nous! Un PM. Oui, on va pouvoir le taper! Eh bien! Ah, quand même! Touche pas l'épée qui est derrière! Il a combien d'arachnes? Je sais pas, mais je sais pas combien il a d'invoke, mais il en a beaucoup! C'est pas grave! Attends, mais l'arachne majeure elle enlève des PA?
Oui, oui. Mais elle est trop forte. Oui. C'est la meilleure invoque de tout le jeu. C'est pas vrai. Non, c'est le masque gris. Par contre, ouais, éviter de... Je comprends maintenant pourquoi il y a le... Oh. Je comprends maintenant pourquoi il y a le challenge même propre, parce qu'à chaque fois qu'on qui tue... Ouais. S'il prend 600 de vie... Ouais, c'est ça, mais c'est... ça va être un peu long. L'anti-score à tuer, il est pénible. Mais je pense que je vais éviter de... Wow, de faire trop d'invoques, là, pour l'instant. Je vais laisser juste le noir et tant pis. S'il tue l'arc majeur et l'arachne, ça chiant. Parce qu'il va récupérer pas mal de vie dessus. Ou alors faut beaucoup l'affaiblir et on invoque à la fin quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça que je vais juste taper dessus comme ça. Ah mais il recule, il est pénible. Bon, je vais. C'est nul que je puisse utiliser le masque grimace. Hein. Tu peux pas taper l'arachne. Ça fonctionne pas. Hein. L'arachne, si. Ouais. De quoi ça fonctionne pas. Ah, ça fonctionne pas. Ça lui a filé de la puissance. Merde. 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 Est-ce que c'est un allié? Ouais. Ah, il reprend de la vie. Ah non. Non, il a pas tué, c'est bon. Pas encore. Et donc, c'est quoi le sort qu'il a? Force poigne ou état sur 6? Je sais pas. Tu peux le rappeler, ton tofu? Oui, je vais le faire revenir par là pour éviter qu'il gagne. C'est tout. Ouais, malheureusement, on peut pas faire grand-chose de plus. Ah, tant pis, tape dans les invoques. Hein. Ouais. Parce que sinon il va se soigner de 600 à chaque fois, ça va être long. Ah, mon masque grimaçant. Ah oui, parce que si tu tapes le masque grimaçant, est-ce que ça met des dégâts dans une machine? Vu qu'il partage les dégâts. Ah ben un peu, oui. C'est trop bien ton invoque. Je l'aime trop. Ok. Hi. Moi je peux la taper. Ouais, va falloir clean et. Désolé, mais il faut. Oh, on n'a pas trop le choix là. Nettoyer. D'ailleurs. Mon masque grimaçant, hein. Je peux pas le rappeler. Je peux le faire une deuxième fois. Ah oh, putain, j'ai plus la portée. Que faire? Je peux plus réinvoquer, de toute façon, bon ben, passe ton tour. Paf! État sursis. Un PM. Et c'est tout. Malheureusement, tu peux pas le toucher. Un PM, oui. Ah, si tu fais assez de dégâts, peut-être que tu le tueras avec l'épée Mora, ça. Ah, fais chier. Ah oui. Et là on prie qu'elle fasse du 55 comme tout à l'heure. N'inquiète pas, c'est mon masque grimaçant au pire qu'il butera. Yes. Bien joué ça. Est-ce que le zombie a fonctionné? Oui. Ah, bien joué. Impec. Et c'est niveau 97. Hein. Bien joué. Déjà? Ah, on a bien géré. Ouais, GG. Impec. Jake. Bravo à toi. Ah, t'as dit qu'il fallait faire un truc avant de lui parler, c'est ça? Oui. Bah non, enfin je vois pas. Non, y'a rien. Tu peux remettre ton cac par exemple. Oui. Mais il fallait pas. Y avait pas une histoire d'os? Non, c'était avant le boss. C'est moi qui ai dit n'importe quoi. Mais y a des boss, malheureusement, c'est après le boss que tu peux débloquer certaines choses. N'est-ce pas le Punisher? Oui. on a fait le boss, tranquille, on s'est barré. Hein? Quelqu'un est sorti du donjon? Oui. Non. T'as parlé à Carlos? Et tu peux lui parler en dehors? Oui, non, mais est-ce que t'as mis à jour la quête le roi scorpion? Entrer à Carlos de. Entrer les prélèvements, tu peux lui montrer dehors. Tu peux lui montrer dehors?
Ah bon? T'as eu du bol. T'as eu du bol, hein. T'as vraiment eu du bol. Pourquoi tu... Parce que t'as deux choix et t'as fait de suite quitter et t'as pas fait en savoir plus. Oui, il fallait faire en savoir... Faut faire en savoir plus, hein. T'as du bol qu'on puisse le faire dehors. Parce que là, il aurait fallu qu'on refasse le donjon. Bon. Est-ce que tout le monde en est le roi scorpion ramené à Cormac Gargan? Ouais. Bon, bon, on donne à Cormac Gargan. Et maintenant, on peut aller voir Zuber et Pierre Vivet. Attends, tu peux parler aussi à Cormac Gargan? Il vient de dire. Putain. Non, mais... Ah oui, mais comme moi j'avais les deux persos à qui parler. Oui. Je pensais que c'était. Aïe aïe aïe, vous êtes insupportable. Puis après, on va aller à la Picantina. Oui, moi je vais d'abord à la Picantina avant de voir. D'abord la Picantina. Pof. Parce qu'on est sûr de revenir en bas, donc. Je remonte, moi. Bon, non. Bah demain au final j'ai un autre groupe à 14. Ouais. Au moins je commencerai pas avec un boucher. Je commencerai avec un wanted. Va falloir que je répète les histoires ce soir parce que ça fait un moment que je les ai plus en tête. Non, d'un côté je préfère, tu vois. Même commencer plus tôt et bosser 8 heures, je m'en fous. Au moins je commence avec un. Un wanted et je trouve que c'est mieux. Je me sens mieux dans ma tête là. Allez, Sydney Fax. Et on redescend à Eolsuc. Je vous ai pas vu aller à la Picantina, y'a que moi qui suis parti ou. Ah, c'est bon. Je suis déjà à Eolsuc. Je vous vois arriver, tant mieux. J'ai eu peur. Riverdi. Oh, allez voir Meiko Zuzu. Oh la vache. Oh, y a pas de... Y a plus de Beoxy sur Zap. Pourquoi? Oh. Pourquoi il est plus là? Moi je me sens perdu. Est-ce qu'il est en week-end? Il a fini de travailler. Non, il était là tout à l'heure. Allez voir Maiko avant d'aller voir Eolsuc. J'ai déjà vu tout le monde à part Eolsuc. Maiko? Bon, okay. C'est qui Maiko? Oui, je sais pas comment. Ah, Maiko Zuzo. Ouais. Merde. Parce qu'il demande d'aller voir Eolsuc. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On fait le point avec Jake. Qu'est-ce que tu as fait? Là, je parle à Maiko. Ok. Maïro. Non. Bah là. J'ai des cactus à faire. Des quoi? T'as dit? Les cactus. Et je lis le reste. Désert de revanche, cactus, roi scorpion et Eolsuc. En chair et en os, et Eolsuc. Ah mais ouais, et Eolsuc c'est le bateau, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, c'est pas le bateau, c'est un type près du oui, bateau. Oui, on s'est compris. On parle au bateau, en fait. Bonjour, je suis le bateau. Oh, faut retourner à la Picantina. Oh merde. Au final, on aurait peut-être pas dû commencer par ça. Oh non. Fuck. Il faut retourner voir Maiko, quoi. Oh là là. Bon, là, on marche et on fera le point. Hein. De toute façon, les cactus, on le fera en dernier, je pense. Je pense qu'il est rapide. Hein. Oui, mais bon. C'est la dernière quête qu'on va faire. Excusez-moi, je vais... J'ai des petits cheveux un peu partout.
pas voulu prendre de douche après le coiffeur, mais au final j'aurais dû. Allez, le roi scorpion terminé. Ouais. Je retourne voir Maiko Zozo. M'aidez le Zozo. Tu m'as marre. Oh, Draken, ça a déjà été mis, ça. Il a posté... le poro arc-en-ciel et le sticker poro arc-en-ciel de la rune ratée. Bah, c'est un rappel. Oui. Mais bon, l'a déjà mis. Isabelle l'a déjà mis ? Oui. Okay. J'ai fait une chasse au trésor dernièrement. Une seule. Hein. Oui. Oui. De 200 en rose, je suis passé à 700. Ah oui, quand même. Mais j'avais un coffre dans un coffre dans un coffre dans un coffre dans un coffre. Ça s'arrêtait plus. C'était trop bien. J'ai vu mes roses augmenter. Je fais oui, 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 les roses des sables. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais c'est une blague. Il faut retourner là-bas. Bon. Eh bien, soit. C'est pas grave, on fait nos allers-retours. Et... Attention, ça va lancer un combat quand vous retournez de la Picantina et que vous parlez à... À Maiko ? Maiko. Bon. Lui parler ou quand t'es... Je vais vers Maiko, là. Et je viens de la Picantina. Donc je vais attendre. Est-ce que c'est encore un combat où je devrais réinitialiser mes stats et essayer 10 fois avec une autre panneau ? Non, pas celui-là. Je pense pas, non. Mais il y a un combat très violent, par contre, sur sa rage. Oui, c'est au niveau 130. Donc ouais, mais genre... enfin, niveau 130, je sais pas comment on va faire pour avoir oui, je sais pas non plus. 7000 d'initiative. Ah, 6000. Ah non, je pensais pas à ce combat-là. Ah, moi, je pense à celui-là, tu vois. Ah, tu parles des vieux, là, dans la mine ? Oui, dans les mines. Ouais. Ah, il est pénible, ce combat, aussi. Bon, j'attends tout le monde. Tu peux lui parler ou pas, Thomas ? T'as pas testé ? Attends, je regarde parce que j'ai un sort qui a été upgrade. Ok. Ah oui, je gagne quoi niveau 96 moi. Il me semblait qu'il y avait du feu là. Apostasie. Je peux mettre une variante. Mon dragonique devient reptincelle. Ouais, mais reptincelle est fort si je joue la branche fin, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Où en est Jake ? Il est parti vers la Picantina, je crois. Je me balade. Ah, d'accord. Et en répondant à toutes les quêtes qui te disent d'aller faire des allers-retours. J'espère bien. Le mec, ben, je sais pas. Je suis allé marcher là vers Otomai. Ah, d'accord. Ben, il est parti. Bon, c'est un combat qui se fait seul. C'est vrai ? Oui. Je viens de le lancer. Jake. Comme ça, on sera à peu près en même temps. Il faut pas que le PNJ meure, hein, Thomas. Il est au 80, donc ça va ? On en a vu d'autres, hein, comme ça. Il a que 1000 PV, quoi. Genre, ne serait-ce que les combats des dimensions. Hé, hey, regardez, faut sauver lui. Ah, ok, comment on va faire? Quand t'as 8 monstres qui t'attaquent, tu fais... L'aide. Dès que je vois Jake, je lance le combat. Bah, il vient de lancer le combat, Jake. Combat, en fait. Ah, je l'ai pas vu. J'ai juste regardé le chat et bon, c'est pas... C'est parti, je lance. Donc tu as dit qu'il ne faut pas qu'il meure, c'est ça? C'est ça. Ok. Et toi, ça va, ils ont moins 5% de faiblesse haut, donc ça devrait aller, je pense. Moi, je vais me faire chier, là. Oui. 325. Bon, bah, attention au poison. Ah, mais oui, c'est vrai que le PNJ peut mourir du poison. Au pire, c'est pas pour un combat, je vais passer en haut, je vais gagner full puissance, et puis voilà. Hein. Si j'y arrive pas comme ça. Hein. Mais il tape pas ? Non, il tape pas. Oh, il est en train de se faire défoncer. Je me suis fait goumer.
Alors, je pense que je vais perdre aussi. Je vais devoir passer en haut pour un combat. N'oubliez pas qu'au début du combat, vous pouvez changer de position avec le PNJ. Ah, mais il était déjà le plus loin possible. Et là, les éoliennes sont foncées dessus. Ouh. Oh la vache. Ah, ça pique grave. Oh, ce fut rapide sur la fin. Je suis mort. Hein. Pareil. Mais je pense qu'il est faisable. Hein. Il est faisable, mais le PNJ, il s'en fout. Il est là, mais il en fait, regarde. Il peut se suicider, en fait, le PNJ. Et nous, oui, on l'empêche sais, de se suicider. Ah, je vais peut-être gagner sur ça. Ah merde, il me manque un PA. Le combat est largement faisable. Je vais peut-être gagner au final. Je sais pas encore, c'est indécis. Putain, on nous refait tout le dialogue. Ça va être dur. Non, je pense que je meurs en fait. Merde. Je pense que je meurs du poison en fait. C'est ça. Ah, le poison fait vraiment mal. Ah, mais le. Ouais, d'accord, j'abandonne. Hein. J'ai pas envie de le voir se suicider lui. Bon. Je vais retenter en R. Et si c'est la deuxième fois passe pas, bah tant pis, je le fais en. J'aime bien la quête qui fait protéger Maiko Zuzo de lui-même. Bon. J'imagine que t'as gagné, toi. Moi, oui. Ben oui. Aucune difficulté. Ah ben oui, évidemment. Bon. Ah, les Lyoliennes sont un peu plus loin. Je vais pouvoir les défoncer pendant deux tours, déjà. C'est je préfère, bizarrement. Oh. Oui, je pense que ce combat, ça va mieux se passer. Déjà. Oh, mais j'ai perdu combien en un tour, là ? Beaucoup trop. Surtout, j'empêche le PNJ de s'approcher. Je suis passé de 600 PV ? Zéro. Ah, ils font mal, hein. Il est marqué moins 200. The fuck. Tu le 166. Voilà. Oui, oui, oui. Et tu peux te mettre des points de bouclier. Le tape pas, mais toi tes points de bouclier. Ouais, c'est bon pour moi. J'ai eu un bon placement dès le début. Ça, tu peux le tuer, t'as 4 avancées, toi. Putain, mais. Tu peux le tuer, là. Ouais, c'est bon, Jake, il a gagné. Impec. Voilà, maintenant j'ai gagné. Moi, je suis en train, là, il reste. Tu peux lui reparler, je suppose. Oui, tu lui parles et ça finit la quête. Yes! C'est fait. Bon, bah je vais sur les cactus vu que c'est un combat solo. Hein. La bise. Vu que Thomas il a il est facile. Si j'ai réussi, c'est qu'il est facile. Donc viens avec moi, Guillaume, on va sur Désert de Revanche. Oui, j'arrive. Ok. Vu que c'est un combat tout seul, on va se mettre là, on va gagner un peu de vie, on est content. Tu parles à l'Ouroboulos intrigant. Et tu le dégommes. Non, c'est pas là. Hein. Oui, enfin. Faut le suivre en filature, pardon. Attendez, je me heal. Genre, une fois à gauche, une fois en haut. Pardon. C'est pas grave. Et tu cliques sur le sac? Ah oui, c'est vrai. Osmanitou. Il est passé où ce con? Une fois à gauche, une fois en haut, et après il est dans un sac.
À gauche, c'est là. À gauche, c'est pas là où c'est à droite. En 13, moins 59. Bon. Non, non, à gauche, c'est pas en 59, c'est en 58. Ah, oui. Mais après, tu montes. Après, tu montes. Et puis, il y a un sac. Attendez. Ah, mais vous parlez des grandes maps sur la carte. Vous voyez des cases même sur la... Ah non. Alors, attends, tu m'as dit à gauche. Une fois à gauche, une fois en haut. Et après, t'as un gros sac. C'est marrant. En haut. Moi. C'est bon. T'arrivais dans un campement normalement. Oui. Le sac. Il y a un gros sac. Oui, ça y est. Bon. Et bien, tu parles au sac. Hoffman. Hoffman et tout. Le combat. Voilà. Au lieu de pas tuer, faut tuer les deux. Oui, faut tuer les deux. Okay. Ça va aller, hein, t'inquiète. On se manie tout, il m'a même pas touché. Si, il m'a touché, mais ça allait, quoi. Enfin, ça va, au final. Mettre là. Le plein d'épices, c'est marrant. C'est marrant. 1100 1002, utiliser tous ces PMS. Voilà, c'est fait. T'es pas obligé de faire le châle. Ouais, j'espère. J'ai plus qu'une quête sur sa hache. C'est laquelle? C'est laquelle, Thomas? J'ai plus aucune quête, j'ai dit. Ah, plus aucune quête. J'ai entendu une aussi, mais bon. Oui. Tant mieux, d'un côté. Tu nous dis quand t'as fini ton combat, Jacques. Tu t'en sors, c'est ou... C'est 25%. D'accord. Waouh, il manque plein de quêtes à Sarrache. Bah oui. Oh ben ça, t'as la région 120 ou 130, je sais plus. T'as la région 180 et t'as la région 170. 200. Ah, 170, bon. Je crois. Oui. Que je vais mourir. Pff, merde. Non, mais t'inquiète pas, le premier combat je suis mort, mais au moins tu sais comment se déroule le combat. Non. Je suis mort. Eh ben c'est pas grave, on t'attend. Ouais, fini. Sur Sarah, genre je vois que au clair de la dune. Oui. Au clair de la dune. Oui, les deux autres, c'est 4 niveaux 120. Ah, ok. C'est quoi le nombre qu'il y a à droite sur les succès, là? Le nombre qu'il y a à droite... 10. Bah, c'est le nombre de points de succès que tu gagnes. C'est le nombre de points de succès que tu gagnes. C'est tout. Je pensais qu'on gagnait plus que ça. Ça dépend des trucs. Regarde, si tu termines 1300 quêtes, tu en gagnes 100. Et que, pourquoi ça termine par 99? Qu'est-ce qui fait gagner un point? Les succès d'exploration, c'est 4 points. Bref, ouais, le Dofus des glaces, il t'en file 1. Genre, fraîchement pondu, le Dofus des glaces, 1 point. Épilogue hivernal, mille et un jours, un destin, 1 point. Putain, sachant que c'est super dur, ça me fait chier. Ah la vache, quelle indignité. Alors qu'à côté exploration du gland, fracassia, ogivol, brumen, kilbil et pas de greffe, c'est 20.
J'ai trouvé ta cassia. Tu l'as vu? J'ai trouvé, j'ai battu, ouais. Ah. C'était tard dans la nuit. Ah. Et ils ont le même placement, quoi. Pendant que je farmais... du bois. Voilà. Il faudrait que je m'y rende pour tenter ça. Mais c'est horrible, ça fait 20 minutes, j'ai l'impression de laguer à mort sur Dofus, quoi. Ah ouais. Ah bon. Mais j'ai mes sorts, ils se lancent avec un décalage et tout. Je suis content. C'est arrêté à quelle quête d'alignement? Pardon? 20. On s'est arrêté à quelle quête d'alignement? Je devais te dire ça. Alors, quête principale, non, c'est du bondage. Ah oui, 31. Cosmos, archipel des écailles, Kanya, île de Moon, île de Tomai, montagne, Pandala, Suffokia. Merde. C'est dans principal? Non, alignement. J'ai pas. Ah, peut-être que j'ai pas repris la quête dans ce cas-là. Tu vois ça? Oui, c'est bon, je m'en souviens. C'est que tu vois, oui, parce que là, je suis perdu dans mon arbre de quête. Dans ton arbre de... Dans l'onglet quête? Ben ouais, il y est pas. Mais vu que t'as aucune quête d'activée dans... Il y a un gars qui nous parle, là, Eric. Tu veux lui répondre? J'ai même pas vu, quoi. Qu'est-ce qu'il veut? Eh, vous cherchez une guilde? Non. Non. Voilà. Tain, tout ça pour que je lui dise non, quoi. Arf. Parce que si t'es... Tu peux lui dire qu'on stream, par contre, hein. Ouf. T'as aucune quête de lancer dans un dans une catégorie, il t'affiche pas la catégorie en fait. On est deux et on s'ennuie, bah non. On est quatre et on stream. Voilà, exactement. Ok, il s'en fout. Non mais genre, j'ai pas envie d'intégrer une guilde, surtout en plus ça s'appelle To Escape, j'ai pas envie. Et en plus, merde, s'ils sont que deux, j'ai pas envie moi. Puis même, j'ai pas envie d'aller dans une guilde. Ça y est, je l'ai battu, merci à mes deux chats. Tu vas pouvoir revenir près du shérif et... Ouais, j'ai vu. Et voir qu'il y a un PNJ qui s'appelle Romain Salor. Romain. Oh merde, il y en a un qui s'appelle Mewtwo là qui vient d'arriver. M-I-O-U-T-O-U. J'ai mal. Ah. C'est un mix entre Mewtwo et de Miaou. Et Miu Miu. Et Miu. Miu Miu. Miu Miu. Ah là là, j'ai une question. Vu qu'il reste très peu de temps, est-ce qu'on finit quand même sur Jake qui finit son succès? Ah non, ça c'est la banque. Ah, c'est en dessous. J'ai une quête. Est-ce que une quête, c'est retourner voir le Dark Vlad? Oui, oui, on l'a toujours pas faite. Ok. T'inquiète. Je sais pas si on n'a pas le niveau ou s'il faut attendre un peu. On a le niveau, mais la suite est plutôt niveau 100, donc d'accord. On va un peu attendre. Y avait l'île de Moon, Balemas, qui est niveau 60. Ah, je l'ai fini, je crois que j'ai fini ça là, par contre. Ouais, bravo pour ton succès, on a fini la... Oh, niveau 98. 98. Non, c'est bien. Ouais, on peut faire un petit point sur les quêtes. J'ai toujours dévotion à Osamudas. Faudrait que je le fasse un jour, promis. La destinée. Découvrir la carte bateau pour l'île de Frigos. Bon, ça malheureusement, ça sert à rien de la faire. Chaque chose en son temps. Une anomalie, c'est compliqué.
Un juge hystérique, bon ben c'est la braquenise ancestrale, on le fait pas. Le maître des pantins, on le fait pas. Ne tirez pas sur le messager. Ah. C'est une quête niveau... Ah non, enfin... C'est pour faire... C'était un prérequis pour la tour des fratries, c'est ça? Oui. Je sais plus. Oui, c'est ça. Donc, peut-être pas maintenant. Retournez voir le Dark Vlad. Bon, faudra le faire à un moment donné. Le manuscrit de la Terra Cogita, on s'en fout. Après, bon, on a les avis de recherche encore une fois. Niveau Crossmoz, on a Chuchu et Lulu. Mais bon. Tu peux le faire, ça. Oui, je peux le faire. Attention à la bête. Balade en Ecaflipus. Oh. Bienvenue, c'est Kérubim. Je me souviens pas de ça. Mieux vaut ne pas se fier à la première impression. Il faut que ça brille. Faut que tu les fasses, ces quêtes. Hein. Faut vraiment que je les fasse toutes celles du Crossmoz là tout seul. Ah oui, il faut okay. les faire. Hein. D'accord, bon ben je le ferai, promis. L'archipel des écailles perdu dans le temps, youpi, c'est mort. Cagnard, la foire au gobe, oui bon, on pourrait faire ça un jour. Grouic, pour tuer plein de cochons là, sanglier des plaines, cochon de lait, cavalier porcasse. L'île de Moon, on a le radeau ivre à faire pour gagner un Moon. Un no moon, ouais. On a squelette et amulette. On a balai masque. C'est vrai que j'ai pas. Au final, j'ai peut-être pas droppé tout ce qu'il faut. Le ah, combat ouais. des chefs. Île d'Otomaï, la potion bulbique et la vengeance de Peggy la Forcasse. Il faut tuer le chevalier noir et rose. Bon, c'est insupportable. Montagne des koalaks. Bon, c'était les trucs des dragons d'Inde. Le disciple Panda Wushuka, mais ça, c'est un truc à faire solo. Et Sufokia, distribution de pain zizanesque, j'ai pas fini, finalement. Ah, mais faut que tu finisses. Ouais, mais bon, il reste 7 minutes. Ouais, je vais aller valider. Je vais faire ça, au moins. Je vais aller valider les pains zizanesques. C'est vrai que je l'ai pas fait. Je me dis, ah, il faut le faire, ouais. Donc, si tu me dis que tout seul, je peux faire les... Tout ce qui est lié au Crossmoz, je le ferai. Oui, oui, il faut. Ok. J'imagine que vous l'avez déjà fait. Je sais même pas de quoi tu parles. Bah, les quêtes du Crossmoz. Genre, quand tu regardes tes quêtes, si t'as un onglet Crossmoz, bah faut les faire. J'ai pas. D'accord. Eh ben, j'ai validé ma quête et il se passe rien. C'est laquelle? De quoi? De quête. Au Crossmoz? Toutes celles qui, ouais. qui sont dans l'onglet. Bah, attention à la bête, faut que ça brille et Barnabé dans l'espace. Eh ben, fais-toi plaisir. On fait pas Barnabé dans l'espace. Enfin, tu peux la... tu vas en chier. Barnabé, elle est vraiment trop pénible. C'est incroyable. Ça, au pire, on le fera entre nous tranquillement. Et oui, je suis retourné voir Edgar Davout, mais il se passe rien. Pourquoi? Il me manque une quête, sûrement. Il faut que tu parles à... T'as pas fini la quête? Ben si. Je lui ai parlé et il m'a dit, ouais, bien joué, t'as fini distribution de pains des années, est-ce que c'est tout? Ah. Il me manque une quête à Sufokia, sûrement. Quête Sufokia. C'est Sufoko ensemble. Oui. Ah, bah il me manque comment se mettre au jus et c'est du costaud. Eh ben je le ferai. Je sais pas quand. Ouais, c'est surtout que là je peux pas aller sur internet pour voir où elle se lance parce que je suis en stream. Donc tant pis. Ah, Beoxys est au zap. Ah, il est revenu. Il devait partir manger, sûrement. Sûrement. Bon, bah je pense qu'on va arrêter tranquillement là-dessus, en fait. Non. Bah oui, hein. Oui. On a fait les objectifs du jeu. Tout à fait. Bah dans ce cas-là, outro, et on discute un peu, et après je m'en vais, moi. Donc merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous tient au courant dès qu'on restream, hein. Je vous avoue que les emplois du temps commencent à être un peu plus difficiles à organiser, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on vous tient au jus dès qu'on a les infos. Voilà, sur ce, le gros bisou, abonnez-vous un peu partout pour rester aux infos et puis à la prochaine. Bisous. Salut.